Donc, bonjour tout le monde, re-bienvenue à Jeux de hockey rétro. Aujourd'hui, c'est un jeu que j'ai hâte de faire depuis un bon bout de temps. Je l'ai essayé, là, j'ai juste testé, mais j'ai pas encore fait de vrai match. Ça s'appelle Mutant League Hockey au Sega Genesis. Et toi, t'as déjà joué, hein, Steve? Ouais, il y a plus de 20 ans. J'ai pas tant de souvenirs. Il me semble que t'as des squelettes, t'as des espèces de créatures. Puis je me rappelle pas non plus si il y avait vraiment des différences, là, comme les squelettes sont plus vite ou les espèces de monstres sont juste plus forts ou c'est juste l'apparence. Ouais. Ben, on va découvrir ça. Moi, ce que je sais de ce jeu-là, c'est que c'est la même gang qui ont fait NHL, la série NHL, EA Sports. Dans ce temps-là, c'était juste Electronic Arts. Donc, c'est la même. Le même engine, le même moteur que NHL. Donc, c'est le même genre de jeu, mais avec des personnages différents, dans le fond. Il y a quand même les aliens de la série, là, tu sais, je veux dire. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais. Les petits aliens. Donc, c'est un jeu culte, là, quand même, assez reconnu. Est-ce que ça a bien vieilli? On va voir. Les NHL ont bien vieilli, donc les vieux NHL ont bien vieilli. Donc, j'espère que celui-là est dans la même veine, là. Donc, on va choisir nos équipes. Moi, je sais pas. Chili Liars, Turbo Techies. Quand on va regarder un peu nos équipes. Ouais, c'est ça. Les Galaxies. Les Dragons. Les Dark Star Dragons. Ouais, je vais prendre les autres. Lesquels, ça? Les Galaxies. Les Aces. Ouais. Je vais prendre les Dead Things. Eyes are gone. On a deux équipes de squelettes. Ah, ok, je viens de comprendre. Les Dead Things, c'est comme les Red Wings de Détroit. Dead Things. Ok, Red ok. Wings. Parce que j'ai Eyes are Bone. Steve Eiserman, les Red Wings. Oh, ok. Eyes are Bone. Je sais pas c'est quoi le jeu de mots, là, mais en tout cas, je viens de voir le nom des joueurs. Puck Mark, je connais pas. En tout cas, j'ai vu que j'ai Eyes are Bone. Fait que je vais prendre ça. Là, attends. Ok. Toi, t'as le 2. Ok, t'as. Faudrait que t'as choisi ton équipe. Ouais, je sais pas encore. Là, on dirait que je vois juste des squelettes. Il me semble qu'on peut. Il y avait d'autres races. Là, qu'on peut... Ah, check, tu vois, là, les autres sont en monocycle. Ah, ok, on va y aller avec les Mont-Royal Cadavers. Ok. Fait que c'est bon. Là, on a nos deux équipes. Je pense qu'on est prêts. Donc. Regular game, on va se mettre à 5, 8, 3. On va se mettre à 8. Ok. T'en penses, ouais. Choisir notre stade, on a le mausolée. Comment tu appelles ça en français? Un musolée. Le Puke Palace. Le Tripod Rink. Le Prig Palace. On va prendre le fun, hein. Ah, oh, le Skunk Center. Ok. Pénalité, je sais pas, hein. C'est le genre de jeu que tu mets pas de pénalité, je pense. Ouais, ça risque d'être assez bien, hein. On se décolle sur la face sans. Ok. Ok. Les Reserves, on va y mettre. Ok. Ok. L'index de mort. Donc, on a Rough, on a Saignant. Bone Breaking. Slaughter. Annihilation. Je pense qu'on n'a pas le choix, hein. Oui. Annihilation, tant qu'à faire. Qu'allons-y. Donc, les Dead Things contre les. Mont-Royal Cadavers. Ok. Oh, on est sur un patinoire verte. C'est toxique. T'as plus, hein? Ça, c'est mon coach ou ton coach? C'est l'arbitre. Non, c'est non. Le coach. Ouais. Okay. Ok, nos coachs sont pareils, hein, en même face. Ok. Ok, je suis en bas, moi, je pense. Yeah. Ouais, okay. Moi, je suis en bas. Okay. Ah, c'est toi qui as pas. Ouais, c'est pareil à NHL. Hey, je viens de scorer dans mon but. Okay. C'est pareil à NHL. Ça, c'est shoot. Ouais. Passe. Ça, c'est plaquage, je pense. Ok. Mais c'est vraiment pareil. Ok, fait que j'ai scoré. Eyes are gone. Cool. Ah, instant replay, on va l'essayer. Ouais. Ça, je suis habitué à NHL, hein, mettre ouais. Pause, reculer, puis avance. Ouais, j'ai shooté, mais ben, le rebound est arrivé dedans.
Le... Ouais, j'ai eu l'impression d'avoir pesé comme sur le bouton de la passe, mais ah, même... ok. Ouais. Ça se peut. Là, il y a un feu dans le coin à droite. Ok. C'est une zone qu'il faut pas aller. Ok, donc, on retourne. Ok, on va s'habituer lentement au jeu. Ok. Là, je sais pas si tu vois, mais on a une barre d'énergie. Là. Fait que j'imagine que quand on se fait frapper assez, on meurt ou on explose. Je sais pas trop. Parce qu'on est en mode annihilation. Hein, ok, dire. Ouais. Yeah. Et ce que je sais de ce jeu-là, c'est qu'il y a des pièges là, sur la glace, il y a des mines, il y a des. Puis il peut se passer plein d'affaires, on sait jamais. Ok, le bouton là, Y, là, c'est pour frapper. Ok. Tu vois, il y a déjà des. Il y a des os, il y a des plaques de sang. Et... Oh, il y a des trous, man. Il y en a un qui est parti dans le trou. Ah. Oh, icing. Oh, oh, il s'est crissé dans le feu. Tu passes tellement d'affaires que. La misère à suivre un peu. Oh shit, je suis mort. C'est pas grave, il y en a un autre qui embarque. Oh! C'est vraiment saignant, hein, comme jeu. Yeah. Ah, les cadavres sur la patinoire. Mais ton équipe, c'est les cadavres déjà. Hein? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Face off. Ok, j'ai pas trop compris. Hein. Ah ouais. Oh, échappé. Oh. En termes de hockey, c'est pas. Putain, il est mort. Shit. Je me demande si à manier tu manques de joueurs. Hey, mais on. Ouais, puis on perd quand même gros d'énergie hein, d'un plaquage. Ouais. Hey, c'est quasiment une barrière naturelle, les cadavres. Ah, quoique, il influence pas le jeu, là, on pas passe. Trop, hein. Ouais. Mais il faut faire attention aux trous. Oh, oh moi aussi. Bon. Shit. Cette zone-là, elle est. Ben, je... Ouais, c'est dangereux. Là. La rondelle. Ouais, je pense qu'il me reste deux bonhommes, là. Trop shit. Ça va pas rapport. Ah! Moi, voyons. Ah, il me reste un. Je sais plus comment il reste à jouer. Je pense que t'as. Ah ouais, fait que tu peux frapper l'autre en attendant. Dans les enjeux, ouais. Au lieu d'essayer de gagner la puck, tu peux te frapper. Ok, on y va. Voyons, il est supposé faire des passes. Il fait pas des passes. Ok. Voyons, c'est le bouton de passe, ça. Il veut pas. Supposé, en tout cas. Dans la logique des jeux NHL, ce serait le même bouton pour faire les passes que pour choisir ton joueur. Ouais, en tout cas, moi ça marche. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Fin de la période. Mm-hmm. Oh, une autre Zamboni. Ça va faire du bien, ça. La glace était remplie de cadavres, pas mal. Ok, deuxième période. Oh, les coachs. Okay, ils sont étanches, là. Ils sont fâchés, là. Ok. Là, je t'en haut. Fight! Ah oh, ouais! Je pense. Ouais. Oh, yes! Bon. Savage contre Lurgers on. Oh! Legs are gone. Ok, je viens de catcher. Tu veux son nom? Ouais, ouais, ouais. Legs are gone. Yes! Ah, je t'ai eu là. Mais en termes de hockey. C'est se carrer, faire des passes, on dirait que c'est pas super. Non. Mais le gardien est quand même gros pour la taille ouais, du but. C'est clair. Mais tu sais, faire des passes, là, c'est bien rare, ça marche pour moi. Ah.
passe sa fessée dessus, c'est pas tant le fun. Ah, il est bien slow, lui. Check-le. Il est tellement cossin en face de ton but, de cadavre, que... Oui, lui devrait aller vite. Oh! Oh, il y en a un qui est mort. Oh, hey, shit! Ouais, quand ton énergie est off, là, quand t'as plus rien, là, t'exploses en pente. Je vais faire une violence gratuite. Péter ton squelette là-bas. Oh! Pénalité, ça. Chou, tabarouette. Il y en a des squelettes, ça. C'est à moi, ça. Ouais, c'est sacré dans le feu. Oh, shit. Oh, mon but est désert. C'est quasiment épeurant d'aller chercher à la fois quand t'es dans ces coins. Ah, il me semble que ça aurait dû rentrer, ça. Ouais, il est allé au-dessus du net. J'ai plus gros joueur, on dirait. Je pense que... Forfait, quoi? Comment ça, forfait? C'est quoi, forfait? Ah, j'ai plus assez de joueurs, c'est ça que je disais. Ah, dis, ouais, t'as plus assez de joueurs sur ton banc, ça veut dire que... On forfaite la game. Tu me niaises? Je menais par un but, ça part pas. Oh yeah! Fait que dans le fond, à part. Ah oui, j'ai. Ben là, je sais pas si j'ai perdu ou non. C'est... Ouais, c'est ça, Star Trek. J'imagine que oui, là. Ouais, c'est ça, ça finit là. Ta gang s'élève, mais je menais 1-0. Ouais, ouais. Ok. Un autre? Ah ouais. Parce que c'était pas assez long, puis vu que. Moi, je trouve que j'ai gagné. Ouais. Mais tu sais, je pense que quand on joue à ça, c'est pas dans l'optique de jouer un jeu de hockey traditionnel. Que c'est là, plus c'est... De... Ah, tu vois, genre, les équipes, là, ils ont des crânes en dessous. Ouais. Donc, j'imagine que. Oh! Galaxy. Moi, c'est. Non, c'est pas le jeu. Je pense que les Aces, là, c'est l'équipe All-Star. Ok. Ben, tu sais, je vais y aller contre toute attente. Je vais y aller avec. D-Ranger, t'en as que j'ai gagné, t'sais. On peut se mettre toi là avec des équipes à 1 okay. Égal, t'sais. Ok. Ah, moi j'ai les Shrimps, ça c'est des crevettes. Là c'est la plus petite équipe, je pense. Fait qu'on fait ça? Ok. Ok. On va juste se mettre à 5. Je pense que si t'as mis trop longue les périodes, là t'as plus un joueur à la fin. Ok. Vu tellement que tu décolles la face. Là. Ah, t'es c'est D-Rangers. Ok. Okay. On va choisir un autre patinoir, tiens, ça. Ok, on va se mettre à 4. Ok. Okay. Ok, là, la glace est mauve. C'est les Derangers contre les Shrimps. Moi, je suis toujours en bas. Oh, les coachs. Coach Scampi. Ouais, il dit que les deux équipes sont égales. Ok. C'est débile. Mais je sais pas s'il y en a qui ont déjà joué à. Moi j'avais déjà joué à Mutant League Football. C'est à peu près la même chose, mais c'est un jeu de football. Genre, même genre de coach et d'équipe fucky. Fight! Oh fight. Yeah! Okay. Oh, bloc. Ben, je sais pas si je peux t'envoyer un shuriken ou un objet quelconque. Non, non c'est assez basic. Tiens. Oh. Oh! T'as gagné. Yeah. C'était plus égal que l'autre fight de tantôt. Mm. C'est le fun l'analyse des fights. Hein. Okay, on a essayé de faire la passe de NHL. Okay, tu passes devant le but puis tu. Oh. T'as connu la passe de NHL? Non. C'est la classique, là tu passes devant le but de gauche à droite, tu fais bouger le goaler puis tu shoots. D'habitude, ça, c'est infaillible. Fait que si c'est le même moteur que NHL, ça devrait marcher.
Oh. Sauf que à NHL, ton gars-là, il se défend pas de main. Ouais, puis c'est pas un bâton qu'il y a quand même une épée aussi, fait que... Ah ouais. Oh, c'est une passe. Mais ça s'est rendu jusqu'au goal comme un slap. Fight! Un autre fight. Ok. Là, c'est Evelson contre Ammonia. Ammoniac. Ouais. Fuck. Oh! Damn. Cacao. On va peut-être en gagner encore une fois par. Ouais. Par le fait que t'as plus de joueurs, pis. Mais ça a l'air moins violent que l'autre, pas mal. Ouais. Il y a moins de cadavres sur la glace. J'avais beaucoup de demandes spéciales pour ce jeu-là. Je faisais un bout que le monde m'achalait pour que je le fasse. Ben ouais, tu sais, je veux dire, il sort quand même du lot des jeux de hockey aussi. Ouais. Je voulais pas le faire tout seul, lui, tu sais. C'est... pour, c'était moins de fun tout seul, j'imagine. Ouais. Je l'avais essayé l'autre fois pour être sûr que le jeu marche. Mais y a-tu vraiment des jeux de hockey qui sont plus le fun seul que. NHL. Ben, plus de seul, non, c'est sûr que. Ben, moi, je pourrais rejouer à NHL n'importe quand. NHL 94. Je joue encore des. Je fais encore des saisons, des séries. De temps en temps. Sinon, ouais, je sais pas. Moi, c'est vrai que. Tu sais, Blade of Steel ou Ice Hockey, tu rejoues des fois tout seul, c'est moins le fun qu'à deux, c'est sûr. Mm-hmm. Bon, c'est qui veulent les coachs. Et ça, donc pas de but encore dans ce match. On y va avec la placate et fugue en rime nord de Bach. Oh, il y a de l'argent. C'était quoi ça? Il y a comme un os rouge à la glace. Hein? Ouais. Oh, ça a l'air d'être un coin, ou ouais, je sais pas trop. Mais des fois, tu sais, les trucs sur la glace, je suis comme hésitant à les prendre. Ouais, c'est un os rouge, tu sais. Ça doit nous faire tomber. Ouais. Ok, check bien, la base d'un chat, c'est que tu fais le tour comme ça. Oh, fuck. Tu fais le tour du but de même. Ah, ok. Tu vois, j'ai ramassé. Je pense que ça donne la vie, mais je suis pas sûr, ça. Oh, yeah! Scores. Nice. Ça va bien. Messier, t'as-tu vu son nom? Messire. Ça fait référence à qui, tu penses? Marc Messier. Messire, je sais pas c'est quoi le jeu de mots. Mais... ça fait plus métal en tout cas. Ça c'est sûr. Ouais, y a comme une esthétique heavy metal à ce jeu-là quand même. Fait que là, Uncle Sam. T'as-tu vu? Ouais, c'est le squelette d'Uncle Sam qui fait la mise au jeu. Un boss. Et... il y a des bouteilles sur la glace. Ah, oh, un cocktail Molotov. Fine. Oh, fine. Oh là, je suis un robot. Ouais, t'es un robot. Ah! Crème, il en manquait pas gros. Ouais. Evelson. Ah, Messire encore. Là, c'est ton meilleur joueur. Surtout à tous les niveaux. Ok. Hey. Oui. Oh fuck. Oh shit, ça a passé proche. Oh shit! Ah ouais, fait que c'est comme. Ouais, c'est ça, c'est une mine en fait, là, des trucs verts, je pense. Ouais, puis là, ça a fait un trou, merde. Puis là, il y a un feu encore. Ah! Oh. Là, c'était la cacophonie totale. Gulbert. Gulbert. Comme Gilbert ou Gilbert. Gulbert. Ça dort à rien, mais le monosexe sur la glace, ça dort à aller vite, puis bien aller. Mais c'est pas tous tes joueurs. Oh, une bataille. Ah non. Non, c'est la fin de la période.
électrifié, ouais. Ok. Ah, je me suis trompé, putain. Il y en a trois, puis bon. Ça prend il y en a, il y en a deux de trop comparé à l'Atari. Genre. Ouais. Ok, chaud. Mais en tout cas, ça. Crise, ça doit l'air débile. Ah, hey man, j'en ai perdu deux dans le trou. Ok, on s'en va dehors, ouais. C'est trop dangereux. Ah ouais, c'est fun. Hein? Ouais, bon petit jeu. C'était Mutant League Hockey sur Sega Genesis. Donc j'ai perdu les deux matchs, dont un par forfait parce que j'avais trop de joueurs décédés. Donc c'est ça. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Ça faisait longtemps que j'avais des demandes spéciales pour le faire. On va repasser un autre jeu, on va rester dans le plus classique, je pense, pour la prochaine. Ça fait trop de fantaisie en une shot. Donc, merci, à la prochaine.